Ne supposez pas trop vite que quelqu'un est décédé. Seul un médecin peut le faire. Bah attends, quand il respire plus, ils sont quand même décédés, hein. Excusez-moi, hein. C'est bien ce jeu pour le 31, j'ai trouvé que c'était... T'en vois rien, c'est nous. Risque gros. Ah, il y en a un qui s'est pris un platane. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est moche. Qui me fait l'accident d'enfant ici. J'ai des petites affaires à faire. Appelez les secours. Téléphone. 112. Allez, direct. On n'a pas de réseau. On n'a pas de réseau. T'en mets ton... Attends. Attends, comment on fait? Hein? On ressort du véhicule? On n'a aucun réseau. Vas-y. Attends, il y a des bagnoles qui passent. Mais attends. On va se faire tuer. Oh là là. Mais c'est quoi cette deuxième mission? Attends. On bouge? Il y a du réseau là ou pas? Putain, c'est la Russie, hein. Mais il faut faire quoi? C'est quoi pour accélérer? Ah oui, J. La voiture là-bas, elle est là-bas. Ah, je veux bien appeler les urgences, mais j'ai pas de réseau. On va pas se faire tuer. Hein. Vas-y. Putain, en plus, les Russes, c'est pas des rigolos. Hein. J'ai critiqué la Russie, je vais avoir un contrat sur ma tête. Arrête. Un réseau. On a aucun réseau. Sérieux? J'ai dit qu'il fallait pas aller chez Bouygues. Ah, monsieur! Ah non, ça va pas, bah non! Il a bu un petit peu trop, c'était le nouvel an! Attends, il y a un truc là. Smartphone. Et lui, il a du réseau? Attends deux. Mais c'est quoi cette blague? Lui, il avait du réseau. Il m'a envoyé Drago. Merci, l'ambulance arrivera bientôt. Bah écoutez, on se casse, hein. Marquer le lieu de l'accident. Couper le contact des véhicules. Il y a deux véhicules? Vous avez vu deux véhicules? Putain. Oh merde. Ah non, mais lui, il est pas bien, hein. Mec, comment ça, on est mort? Mais... Mais non! Mais... Attends, on va rentrer par là. Mais non, mais on n'était pas mort là. C'était une blague, hein. C'était couper le contact. Non. Mais vous avez pas bien vu. Putain, ils roulent comme des tarés, les Russes. Mais il est où le deuxième véhicule? Il est la seconde victime. Arrêtez! Lui, de toute façon, il est foutu. Hein. Vas-y, c'est un truc de fou. Il passe comme des tarés. J'ai pas vu de deuxième véhicule. Hein. L'autre côté? En face, à côté de ma voiture? Vas-y, attendez, il faut que j'aille vite. Hein. Y a pas une voiture qui peut passer, là? Si... Putain, on les voit même pas arriver. Vas-y, je prends des risques. Hein. Je prends des risques pour vous. En face. Mais Saint-Pétersbourg à 94 km. Hein. Je dis ça, je dis rien. On s'était arrêté proche d'un véhicule. Ou c'est de l'autre côté? Ou le Porsche? Quel Porsche? J'ai pas vu de Porsche, moi. Putain, t'es bon, Maxime.
Je l'avais pas vu. Ah bah lui, il va pas bien, hein. Les planches. Ah, c'est lourd, hein. Bloqué. Vous l'aviez vu, sérieux? Ça marche pas. Oh, ils vont pas bien les deux, hein. Vas-y, on retire tout. Nous, on est un taré. Encore mieux que chez Laurent Berlin. Ça que servent nos yeux. Ah non, perso. Ah, perso, je l'ai pas vu, Maxime. Bien, bien vu, bien vu. On éteint. Maintenant, faut marquer le lieu d'accident. Sauf que je dois avoir un triangle, moi, dans ma voiture. Je suppose. Tu prends des risques de dingue. Ouais. Triangle. Ah, c'est de l'autre côté, sérieux, c'est on va se faire buter là. Oh putain. Oh putain. Vas-y, mets-le vite. c'est des tarés. C'est des tarés les Russes. C'est moi que je suis revenu, sinon genre bah non. Tout de suite. Vas-y, maintenant. Là, c'est bon avec le triangle. Hein. Ouais, mais de l'autre côté, il n'y en a pas. Hein. Non, c'est bon. À mon avis, il faut continuer. Non, c'est bloqué, on peut pas. Hein. Ce danger public. Arrêtez un peu. Bon, monsieur. Comment ça va, Igor? Ah bah, ça va pas bien. Ça va pas bien du tout. Ah, il m'entend pas, Igor, et madame, elle m'entend pas non plus, hein. Vas-y, je connais le coup, la ceinture de sécurité est facile, hein. Ça se voit, quand même, hein. Il nous a pris pour un débile, lui, hein. Prison pour l'idée, mais non. Ça va, monsieur? Non, lui, on peut pas. En même temps, c'est pas mon boulot, vous êtes mignon, vous. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il y en a un qui va crever bientôt. Igor. Je comprends pas, hein. Je comprends pas, on a été bon là. Dans l'assistance à... Mais non, mais je les ai assistés. Vas-y, 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 Vladimir. Putain, il y a mamie qui est en train de crever. Bah, mamie, elle est morte. Hein. Ah, 2024 commence pas bien. Hein. C'est une blague, ce jeu. Oh, ta gueule. Clip, arrêtez. Mais non. On l'a pas prise. Elle est là. Ok. Ok. Y a pas de problème. On appelle les secours. On n'avait pas de réseau. On se fait pas avoir. C'était quoi l'idée? Appeler les secours, là, c'était lui qui avait le téléphone. Ouais, vous allez voir, là, tout va bien se passer. Hop, ça aussi, je peux le ramasser. Ah bah voilà, nickel. Allez vous faire foutre, là. Mais... Oh putain, merde! Vas-y, freinez un peu quand il y a un piéton. Vous avez vu comment ils conduisent? C'est bon, ça passe, ça passe. Allez vous faire voir. Là, on gagne du temps. On dégage tout. Vas-y, trouve-moi les machins. Non, là, on est efficace. C'était pas le cas la première fois, mais normal, hein. On se retrouve sur le scénario, Vladimir va mourir.
Arrêtez. Bon, monsieur, je sais que tout va bien, donc arrêtez d'en faire 3 tonnes. La situation est sous contrôle. Voilà, voilà, on vous secoue, mais tout va bien. Je sais que vous respirez. Je le sais, comme madame, mais madame, après, elle en fait 3 tonnes. Et madame, elle finit dans le caveau. Voilà, tout va bien. Alors là, je suis obligé. Non. Ouvre la porte. On ouvre la fenêtre. Allez. On va voir madame. Après, on va pas oublier de refermer la fenêtre direct. Hein. Merde. J'ai fait le tour une fois. Mais tout va bien, madame. Allez, allez, on secoue. Courage, mamie. Mamie, elle est en pleine forme. Mamie, elle en fait 3 tonnes, hein. Elle cherche à toucher l'assurance pour les petits-enfants. On connaît le coup. Allez, tu respires. Les petits-enfants, ils essayent de tuer mamie. Bah oui, pour toucher l'assurance plus vite. Bah, on sait tout ça. C'est classique, hein. Allez, on ferme les vitres. On ferme la porte. Et là, tout va bien. Ok. La position exacte. On va passer par le notre GPS. Non mais c'est chaud en fait. Hein. Le GPS, c'est bon. Voilà. C'est bon, la position, oui c'est bon, on peut se barrer. Vas-y, fais pas de conneries. Ok. Ok, tout va bien. Je crois que Vladimir, il va mourir. En plus, il nous fait chier pour rien. Hé, hey, Vladimir! Allez, Vladimir, Vladimir! Ceinture! Mais à mon avis, il faut que je l'emmène... faut que je l'emmène dans ma bagnole, hein. C'est un criminel. Bah, en même temps, il a le nom d'un criminel. Protégé du froid, 2 sur 4. Ok. Vas-y, mais là, tu me gênes, là. Oui, ils sont tous stables. Putain, par contre, le quatrième, c'est qui? Pourquoi je peux pas? Ah oui, il fallait que je sorte. Allez, Vladimir. Vladimir, on croit en toi. Surtout pour ma mission. Hein. De base, on s'en fout. Hein. Je pense que... C'est bon, on a le temps. Hein. On a plus de temps que d'habitude. Hein. Je pense qu'il faut aller sur ma bagnole. Hein. Mettez l'homme dans votre... J'ai pas vu. Vas-y, là, il y a personne. C'est bon, ça passe. Mamie, elle va bien. Fais pas ton chien, j'avais pas vu. Allez, allez, mais dépêche-toi aussi, Vladimir. Il veut pas courir. Allez, allez. Par contre, ouais, il reste le quatrième, là. Je comprends pas. Hein. J'espère que c'est un bug. Hein. Dans le coffre? Non, coffre fermé. Vladimir, non, il va pas dedans. Derrière? Ah oui, c'est ça. Vas-y, dégueulasse pas ma banquette arrière quand même. Espèce de fort. 4 sur 4. Moi, j'ai rien compris. Hein. On attend l'arrivée des secours. Bon, attends, je vais me mettre au chaud. Hein. Moi aussi. Peut-être moi, ouais, le quatrième froid. On a été bon. Il a kidnappé Vladimir. Arrêtez. Les ambulances russes qui arrivent. On va mettre plus de temps à faire ce scénario qu'à finir un jeu. Découvrez la cause. Rassemblez les indices. On a sauvé tout le monde, hein, les gars.
Je veux pas dire qu'on est bon, mais pas loin. Les indices, bah, il n'y en a pas des indices, hein. Y a rien, hein. Été effacé par les services secrets russes, hein. Marque de dérapage. Igor freine ceux qui bloquent les quatre roues. Ouais. Il rentre dans le machin. Ça coûtait vieux. Alors, est-ce qu'on a un truc pour voir qui rentre dans les machins ou pas? Est-ce qu'il y a un indice là? Ah, doit y avoir un truc. Attends, là. Et fait s'écraser sa voiture dans la remise du parking. Bah oui. Pas bien malin, le Igor. Hein. Bon, là, ici, je pense que c'est bon. Mais alors, pourquoi? Mais s'il y a encore des bagnoles, là? Moi, j'ai l'impression que c'est bon, c'est sécurisé. Parvient à contrôler le dérapage et se dirige vers le parking. Ouais. Et l'autre, il venait dans l'autre sens. Vladim, pardon, perd le contrôle de sa voiture en changeant de voie. Ouais. On n'a pas oublié un truc. A priori, non. Il nous en faut 6. Ah mais là, attends, ça a percuté là. Les deux se sont percutés en fait. Eh oui, bah, tout de suite, c'est là qu'on voit le pro. Vladimir entre en collision avec la voiture de Mishkin. Et attends, et là, c'était quoi? Le pick-up tourne et glisse dans un arbre. Ok. C'est bon. Allez. Organiser les événements. On a 6 trucs, il n'y en a que 4. Igor freine ceux qui bloquent les 4 roues. On le met en premier. Non, on le met pas en premier. Igor parvient à contrôler le dérapage et se dirige vers le parking. Alors non, c'est Vadim perd le contrôle de sa voiture en changeant de voie. Vadim entre en collision avec la voiture de Mishkin. D'ailleurs, c'est Vladimir, c'est pas Vadim. Hein. On est d'accord? Merde, ça déconne. Attends, j'ai mon truc qui a bugué. Oh, c'est bien. Jusqu'au bout, hein. C'est mon jeu qui a bugué. Ah non. Ça revient. On est d'accord. Premier, Vadim perd le contrôle de sa voiture. Ça me semble bien. Il entre en collision. Attendez. Vadim perd le contrôle de sa voiture en changeant de voie. Ça, je pense, c'est le premier truc. Vadim entre en collision avec la voiture de Mishkin. Ok. Ensuite, ben, Igor Mishkin parvient à contrôler le dérapage et se dirige vers le parking. C'est bizarre comment c'est formulé. Putain, mais c'est qui Igor? C'est qui ce troisième? C'est ça qui me perturbe là. On a un truc entre Vadim et Mishkin et à la fin t'as un Igor. Qui est Igor? Ou qui est Mishkin? C'est Igor Mishkin. C'est Igor Mishkin. Moi, j'ai pas de mec, hein. Ah oui, c'est Igor Mishkin. Ah bah oui, forcément. Ah
Arrêtez! Igor freine, ce qui bloque les quatre roues. Mais ensuite, Igor parvient à contrôler le dérapage. Ok. Est-ce qu'on est bien là? Il reste des vapeurs a priori, arrêtez. Il me fatigue. Non, mais oh, oh. Vadim perd contrôle de sa voiture en changeant de voie. On est bien. Non, c'est l'inverse. Non, on n'est pas bien. Vadim entre en collision avec la voiture de Igor Mishkin. Ok, là, les deux premiers, on est d'accord. Le pick-up de Vadim tourne et glisse dans un arbre. Ok, pendant ce temps-là, Igorne freine ceux qui bloquent les quatre roues. Ah oui, alors ça c'est peut-être Igor parvient après à contrôler le dérapage et se dirige vers le parking, sauf qu'il freine. Oui, je suis d'accord. Faut inverser 4 et 5. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez, c'est pas simple. Donc oui, il parvient à contrôler le dérapage, il était bon, mais il freine comme un con. Et Mariana, la copine d'Igor, ben pareil. Ça me semble bon là. Oh. Hey, c'est qui le meilleur? Igor Mishkin! Bien qu'il ait perdu connaissance après avoir heurté la cabane, Igor n'a pas subi de blessures graves. Les ambulanciers ont pu le réanimer sur le chemin de l'hôpital. Il a pu partir le lendemain. Lesia, lors de l'accident, Lesia n'a subi que des blessures mineures. Elle nous a fait croire qu'elle est crevée. Malheureusement, en raison de son âge avancé et son état de santé très précaire, son rétablissement était lent et problématique. Avec le soutien de son mari et de leurs enfants, elle a quitté l'hôpital au bout de quelques mois. Ouais, tout le monde voulait la voir crevée. Et c'est pas arrivé grâce à Bibi. Et Vadim, la blessure à la tête de Vadim n'était pas la menace la plus sérieuse pour sa vie. La collision avec l'arbre a écrasé plusieurs de ses côtes, ce qui a causé de nombreux traumatismes internes, dont un poumon perforé. Ah, c'est des choses qui arrivent, hein. La plupart de ses blessures ont été soignées, mais la longue période de convalescence l'a obligé à fermer son entreprise. Eh ben, t'as pas eu de bol, t'as pas eu de bol, hein. Ça, c'est l'année 2024, hein. Moi, j'y peux rien. C'est narré au final. On va regarder. Ouais, en gros, Vadim, c'est un gros con, quoi. En gros. Vadim est désormais SDF et meurt de froid. Allez, encore un accident. Ah non, on va arrêter, vous rigolez, il va être 3h du matin. De base, je devais aller me coucher, il était quasi minuit. En gros, Vadim, c'est Alexidé sur ETS2. Mais va te faire foutre, Goblune. Qu'est-ce que tu fous sur Twitch, j'aime pas Twitch. Dégage sur YouTube.